Salut! Alors on est la nuit et j'étais déjà en pyjama quand Mathis m'a dit viens, je vais te montrer ce que je prépare depuis des jours. Alors c'est vrai que sur l'île du babysitting, ça fait je ne sais pas combien de jours qu'on est interdit de rentrer dans sa maison. Je ne savais pas du tout ce qu'il préparait et je sais toujours pas d'ailleurs. Alors nous rejoint ma copine Robokski qui se met en pyjama et puis on va aller visiter. Voilà, la maison est en construction depuis un bon moment maintenant. Et puis c'était fermé, personne n'avait le droit de rentrer à part Robokski, hein, qui est une bonne buildeuse. Donc voilà, il change le titre en je sais pas, puisqu'il ne savait pas comment être. Voilà, et j'ai hyper hâte, je suis hyper contente de enfin pouvoir rentrer dans sa maison parce que ben, j'attends ça. Moi je me disais, je sais pas, qu'est-ce qui trafique? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer un jour? Est-ce que ça va être tout le temps fermé? Hein, je connais des maisons qui sont tout le temps fermées, on ne peut jamais rentrer. Soi-disant parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Bon, ben voilà, on va découvrir ça. Oh, waouh! Oh là là! Il a fait des... Comment on appelle ça? Du Pixar? C'est ça? Du pixel art? Avec LDP, des sourires, un dauphin. Génial, un cœur. Super! C'est la maison Hollywood, elle est grande, elle est hyper grande. Regardez-moi ça, ce pont-là. Hyper grand, on dirait un peu... La grotte, là où on fait les animaux néons. Regardez, il est néon. Un Matisse néon. Qui veut un Matisse néon? Adoptez-le. Il est trop mignon avec son pyjama. Oh, c'est hyper beau cette passerelle là. Et là, oh, est-ce que vous voyez ce qu'il y a au fond? Ah oh des canons. Ça, j'adore parce que ça se déclenche tout seul. J'ai eu peur. Ça, c'est quoi? Un noob. Ok, un noob là, ben oui, parce que dans le gang, on adore les noobs. Vous savez, un noob, c'est pas forcément une insulte, hein. Un noob, c'est aussi juste quelqu'un mais qui commence le jeu et qui, parfois, fait un petit peu ben, n'importe quoi parce qu'il sait pas jouer. Voilà, mais on a tous commencé un jour à jouer. Moi aussi, quand j'ai commencé à Adoptimus, je savais pas toujours tout. Waouh, un perroquet et un flamand. Mais il a dû mettre des plombes à faire ça, ça doit être super compliqué. Moi, je m'aventure pas là-dedans, hein. Ben, si un jour j'ai besoin de faire du pixel art, ben, je demanderai à Matisse. Alors, on a un petit coin camping, plage. Waouh! Wow. Ah, et regardez au fond ce qu'il y a écrit. Chouchou, les bestes. Fait par Robokski. Ouais. La meilleure en build. Ben oui, la meilleure en build. Hein, parce que vous vous rappelez, hein, on a fait. Enfin, sur sa chaîne, en tout cas, il y a la visite de son immeuble avec des super belles pièces. Et moi, j'avais fait juste le teaser. Qu'est-ce qu'on avait rigolé là aussi? Non, mais sérieux, la nuit, en fait, on se transforme un peu en lutin farceur, je crois. Alors, chouchou les bestes, ça me donne envie de sortir chouchou le méga néon. Hein, oh là là, c'est un bel animal. En tout cas, je trouve ça très joli avec les petits palmiers. Bon, ben voilà, c'est la maison des chouchous. Il avait envie de me faire plaisir et ben ça me fait hyper plaisir. Donc c'est vraiment ça marche. Hein. C'est super. Je suis ébahie devant les pixel art là, le perroquet et le flamand. Non mais est-ce que vous faites vous des builds comme ça aussi impressionnants? Mettez-moi en commentaire si vous avez des maisons impressionnantes à regarder. Voilà, des trucs mais vraiment fabuleux. Pas juste mettre des meubles quoi, vraiment construire des choses. Voilà, original qui sortent là, le pont c'est super mignon. Hein. Moi aussi je vais être légendaire. Attends, hop, ah, crotte. La dame est nulle en hobby. Je vais m'entraîner. Hein. Vous allez voir que je vais m'entraîner. Je vais aller sur les hobbies, je pense, enfin dans les jeux de Roblox Channel et de LPB Cool Roblox. Et puis d'autres sans doute, parce qu'il faut vraiment que je m'entraîne. C'est pas possible d'être noob à ce point. Allez, ah ben ils ont sorti les néons, mais moi aussi je vais sortir le néon, le méga néon, même chouchou fluo. Vous vous rappelez le jour où je l'ai fait? Je le sors pas très souvent en ce moment parce que je ferme les animaux pour faire d'autres néons. Et d'ailleurs, ça fait un moment qu'on a prévu avec Robokski d'aller faire nos rennes. Donc, eh bien, on fait une petite fiesta et puis rendez-vous à la grotte, enfin près de la grotte en tout cas, pour faire les néons des rennes.